Monsieur, j'ai oublié ma veste. Mais non, c'est la semaine du développement... Durable. Bonsoir Bernard, je peux lire deux, trois textes? Je crois que ça va être bon pour ce soir. Il y a toujours un peu de raison dans la folie. Nietzsche. Vous avez tout de même pas l'idée de faire une révolution? On fait comme un Corse. Ah oui, il a raison. On s'en paye un. Un buzz. Ton préfet. On peut s'en occuper autrement. Arrestation d'un pervers sur la place de l'hôtel de ville. Vous savez, en amour, je sais de quoi je parle. J'aurais pu trouver un titre plus explicite. N'empêche qu'on parle de l'opération. Narbonnier, je vous prends la témoin. Et on va trouver d'autres actions dans le même style. Je suis sûr que par une simple manipulation, on peut modifier la réception des programmes. Franchement, la panoplie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans notre émission Pas vu, pas pris. Et enfin, monsieur, notre dernier candidat. Je suis comédien. Ah. Ah non, crétin. Vous avez dit ces crétins qui doivent n'importe quoi devant leur poste. Je n'ai jamais dit crétin. Un ministre, ça va pas être facile. Vous voyez, il va passer juste en dessous, là. Impeccable. Prépare la bombe. De nouveaux incidents un peu partout en France après la bousculade du ministre de l'Éducation nationale par des lycéens à Narbonne. Et bien sûr, le grand poète, ce serait toi. Et qui d'autre ? Premier enlèvement en vélo. Allez, zou. Bon, mais faut avertir la presse maintenant. Midi libre, j'écoute. C'est pas du fric que vous voulez. Nous sommes les membres d'un commando de libération des esprits. Oui, bonjour. Pourrais-je parler à Kiko, s'il vous plaît ? Je vous le passe. Kiko, c'est pour toi. Mais tu déconnes ou quoi, là ? Oui, vous répondez sous la contrainte. Écoutez, passez-moi vos agresseurs. Le commissaire. Exactement ce que je pensais.